J'aimerais entendre une adoration monter. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Alors que j'étais assis à côté du prophète, le Seigneur m'a dit ceci: je te rajoute tes compagnons de travail. Je sens une grâce ce matin. Je sens une grâce ce matin. Je peux le sentir. Il y a deux personnes que le Seigneur a mises à mes côtés. Il y a une faveur que Dieu veut faire à quelqu'un ce matin. Dieu veut te rajouter quelque chose. Dieu veut te donner quelque chose. Il veut ajouter une touche de sa grâce, de sa bonté, de sa divinité, de sa gloire, de son onction, de ses miracles dans ta vie ce matin. Il y a une dose de surnaturel ce matin. Une dose. Une dose. Que ta gloire descende. Que ta présence descende, Seigneur. Dieu, nous te proclamons dans ta toute-puissance. Laisse-toi emporter par la vague de l'esprit. Laisse-toi emporter par le souffle de la grâce de Dieu. Il y a de la grâce du surnaturel, du miracle, de la visitation divine. Ce jour est le jour de ta visitation. Et que ta présence descend. Oh Seigneur, c'est celui qui peut se lever, lever ses mains, peut se lever là où il est, s'il a ses deux jambes. Force et louange à l'agneau.
koleka koleka bendele na likolo. Chante le fidèle. Soto tomboli, tomboli, kombo na yo. Les yeux sont fermés. Yahweh, tomboli, kombo na yo. Yahweh, tomboli, kombo. Tomboli kombo na yo. Yeah. Tomboli kombo na yo. Koleka koleka bendele na likolo. Réalise la grandeur du Seigneur ce matin. Réalise la hauteur de Jésus ce matin. Le Seigneur est en train de me dire, c'est dans cette dimension qu'il veut te lever et il veut t'introduire. Le Seigneur m'a dit, jusque-là tu as volé avec les hirondelles. Et le temps est venu où tu dois voler avec les aigles. Le temps est venu où tu dois changer de dimension. Jusque-là tu as travaillé avec ton énergie. Tu as travaillé avec ta force. Le temps est venu où Dieu veut te prêter sa force. Dieu veut te prêter son énergie. Dieu veut te donner son onction et sa vitesse. Dieu veut accélérer ton existence. Que la grâce de Dieu ce matin affecte ton existence. Que la grâce de Dieu de ce matin inonde ton âme et ton cœur. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Malish. 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 Affecte, Seigneur, ma vie. Affecte mon cœur. Yes. J'entends cette voix dans mon oreille qui retentit. L'Éternel dit moisson, moisson, moisson. Moisson, moisson, moisson. C'est une matinée où nous moissonnons dans la présence de Dieu. Oh Seigneur. Une matinée où nous moissonnons dans la présence du Seigneur. Dieu est en train de mettre l'huile. Il met l'huile. Il met l'huile. Là où il n'y en avait pas, il est en train d'en mettre. Il veut te faciliter la tâche. Il veut te faciliter le travail. Il veut te faciliter la tâche. Les ténèbres sont en train de se dissiper. Le tâtonnement est en train de s'arrêter. Je sens la grâce du Seigneur affecter la vie de quelqu'un ce matin. Élève-toi ce matin. Pouvons nous rasseoir dans cette atmosphère. Nous nous rasseyons. Charlie, j'aimerais que tu me conduises avec un petit fond ce matin. Alléluia. Image mori dans ce matin. Yes, wazali na biso na tongo alelo. Sentir présence de Dieu. Santé, présence et Nzambe. Alléluia.
Ismalo dodomos site remakaramos umoromos kirmadaras mekaros mos migaras mosete. Ismararas goromos mi maras marigaromos madedakaromos madidaras kerumaromos te. Ismikoro misata ismararaboromos girarabas namarabaromos sete rebasa. Ismingoromos simararagas marigaromos emaras kermaras goromos migaras te. Ismororomos sete. Oya yokisaka, oya matoi mayokate, oya lobisa, oya monoko lobisate, oni momosante. Kita o kakola, kita o bitisa, kita o sa, kita o suna, kita o teya na to kwa lelo Saint Esprit. Na to moya lelo, tosa na posa na yo na to kwa lelo moli momo sa. Nalingi na mona ye, nalingi to mona yo zambe, nalingi to mona yo momo keli, nalingi to mona yo, nalingi na mona, to mona bobele yo. Tomone ya mokili niki Papi na biso e chanzate Toyoka bapolisi siya magisko Papi na biso e bongo wa mate Zambe Nantela ya molimo mosantu Tangwe komi ya koyoka yo Tangwe komi ya koyoka mela yo Molimo mosantu Kote bomo ina biso e bika Alleluia Je sens ta grâce Tu ta bib ce matin Mash meriska Alleluia Oh Maris Mate Se. Alléluia. Premièrement, nous allons lire Mambo Sate, Ancien Testament. Nayambo Tokotanga na Boyoka Nakala. Oh Mashmekete Se. Alléluia. Gloire à la mort. Je sens la grâce, Seigneur. Mais que ma vie ne devienne que grâce. Alléluia. Tika Tengolu ane Simba Pebomo Inayo. Alléluia. Genèse au chapitre 1er. Yes. Chapitre 1er, verset 1er et 2e. Mokandane bandela mokaponangoya yambo molongo na liboso kino na oya mibale. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous allons lire. Nous avançons. Nous lisons dans les livres d'Ésaïe. Tokotanga na mokanda na Isaïa. Livre du prophète Ésaïe. Nous lisons au chapitre 61. Tokotanga mokanda na mosakoli Isaïa mokapona tuku motoba na moko. Le verset 1er. O talatala ngo ya yambo. Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sions, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfin, qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous lisons. Le Saint-Esprit est là. Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous allons lire dans deux passages principaux. En vérité, je suis au chapitre 14, je lis au verset 12.
Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Lisons le chapitre qui suit, le chapitre 16, nous sortons le 15. À partir du verset 7e. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous l'annoncera, il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Lisons un livre de Actes des Apôtres. Nous allons terminer avec ça. Nous allons lire le chapitre 1. Et verset 8e dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il reçoive tout l'honneur dans le nom de Jésus. Nous allons parler ce matin de l'œuvre de l'Esprit dans la vie du chrétien. Le Seigneur qui est venu, qui a revêtu la chair, Jésus-Christ, notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur surtout. Les passages que nous venons de lire est en train de parler aux disciples. Là, on voit le Seigneur qui est en train de terminer sa mission terrestre. Il est en train d'instruire le peuple par rapport à ce qui devait venir. Il ensemble les disciples. Il commence à leur parler. Il leur dit: encore un peu de temps, je ne serai plus avec vous. Parce que je suis en train de rentrer vers le Père. Et les disciples, certainement tristes, ont commencé à lui poser des questions. Mais nous, on va rester comment? On va faire comment? Mais Jésus qui leur parle, il leur dit: ne soyez pas tristes. Ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez pas. Car il vous est à vous plus que d'un avantage que je m'en aille. Car il faut que je rentre pour que je puisse vous envoyer les consolateurs. Lorsque je serai parti,
Je ne vous laisserai pas vide. C'est comme ça qu'il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Donc ici, je prends soin de vous. Ici, je suis en train de vous équiper. Je vous enseigne, je vous instruis. Je vous corrige, je vous édifie, je vous exhorte. Je suis en train de partir. Certainement, vous êtes en train de sentir comme s'il y a une autorité. Même une protection, une couverture, un rempart qui part. Mais ne soyez pas triste pour cela. Car c'est un avantage que je m'en aille. Parce que lorsque je serai arrivé, où je vais, je prierai le Père. Le Père vous enverra un autre consolateur. Les Grecs traduisent cela par Allos Parakletos. En fait, Jésus était en train de dire ceci. Il est pour vous avantageux que je parte. Parce qu'une fois que je suis parti, je vous envoie un autre moi-même. Donc je pars. Mais moi, je reviens. Mais moi, dans une autre forme. Moi, dans un autre aspect. Moi, dans une autre forme d'opération. Moi, dans une autre dimension d'opération. Et lorsque je viendrai dans cette forme, je vous instruirai sur toutes choses. Parce que je vous dirai tout ce qui est à moi. Je vous expliquerai même les choses que vous ne comprenez pas. C'est comme ça qu'il leur dit, il y a des choses que je suis en train de vouloir vous donner maintenant. Mais je sens que vous n'êtes pas encore à même de porter cela. J'ai des instructions. J'ai un équipement. J'ai une révélation. Un enseignement. Mais que je veux vous donner. Mais je sens que pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de porter cela. Mais je m'en vais. Je vais vous envoyer un autre moi-même. Lui viendra. Il sera avec vous. Mais il sera en vous. Lui vous donnera la capacité de porter ce que vous ne savez pas porter. Lui vous donnera la capacité de comprendre ce que vous ne comprenez pas. Il vous donnera une lecture que vous n'avez pas maintenant. Il vous donnera de l'audace que vous n'avez pas maintenant. Il vous donnera une autorité que vous n'avez pas encore. Donc ne pleurez pas, car je m'en vais, mais pour vous donner un avantage. En d'autres termes, le Saint-Esprit dans l'Église est un avantage de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les matchs de football, dans les parties de football, on dit ceci: si l'arbitre est contre un camp, il favorise l'autre. Il y a plus de probabilité que ce camp-là qui favorise gagne. Parce que là où il n'y a pas pénalty, il suffirait qu'on bouscule quelqu'un. Il peut siffler. Alléluia. Amen. Et dans notre partie avec le monde, dans notre partie avec l'adversaire, nous avons un avantage. Nous avons un arbitre qui a un arbitre qui a joué avec nous. Mais la tenue en disant que cette terre créée est Dieu créa la terre, mais la terre était informe. Mais la Bible ajoute, l'Esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir sur la surface des eaux et de la terre. Vous savez, Dieu ne fait rien
sans l'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, nous fois dans la vie, dans le langage courant que nous avons, nous avons des termes, la main de Dieu n'est pas trop courte. C'est biblique. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes. L'oreille de l'Éternel est attentive à la prière de Dieu. Ce sont des symboliques pour contextualiser ce que nous pouvons comprendre. Nous savons que Dieu n'est pas un humain. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas ta forme. Donc quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas comme nous. Comme ça physiquement. Avec un peu de favoris, Dieu ne se coiffe pas. Excusez-moi aussi de le dire. Dieu n'est pas un vieillard à les cheveux blancs qui étincelle et qui brille. Ce n'est pas ça Dieu. Mais Dieu a une main. Et la main de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. L'esprit, c'est lui la main de Dieu. Mais la Bible dit alors que tout était informe et vide. L'esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur la surface. En d'autres termes, la terre n'avait pas de forme. La terre était un tohu-bohu. Mais l'esprit de Dieu, qui est la main de Dieu, était à l'œuvre en train de réorganiser cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on voit les récits de la création, c'est comme le récit d'un boulanger qui est en train de travailler une pâte. Les gens qui ont fait du pain ont cette expérience. Il faut avoir de la farine. Il faut avoir votre levure. Il faut avoir de l'eau. Le sel. Mais si vous n'avez pas d'huile, si vous n'avez pas d'huile, vous aurez beaucoup de difficultés pour travailler votre pâte. Pour travailler la pâte et obtenir le pain final, il faut adjoindre l'huile. Donc la terre était cette pâte qui avait aucune forme. Et l'Éternel, c'était le divin potier qui devait créer la forme pour cette terre. Mais avant que Dieu ne puisse donner la forme à cette terre, Dieu a répondu l'esprit qui est l'huile. Afin qu'il puisse avoir la malléabilité de cette terre. Alléluia. Amen. C'est une image qui est aussi en train de refléter ce que Dieu fait dans le chrétien. Alléluia. Pourquoi Dieu donne l'huile? Parce que Dieu travaille avec lui. Donc Dieu dit, il vous est avantageux. Je suis en train de vouloir travailler avec vous. Mais tel que vous êtes maintenant, il sera difficile que je puisse travailler correctement. Donc il vous donne un avantage que je rentre dans le grenier céleste pour que je prenne la substance qui, une fois appliquée sur vous, vous recevez la malléabilité pour travailler. Vous devenez ce qu'on appelle un produit fini. Un produit que l'on peut consommer. Un produit qui peut affecter. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous enverrai l'autre consolateur. Lorsqu'il viendra, vous comprendrez ce que vous ne comprenez. Lorsqu'il viendra, vous devenez capable de ce que vous n'étiez pas capable de faire. Il dit,
celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Mais tu ne fais pas les choses plus grandes que celles que Jésus a fait avec ta force. Pour que tu fasses ce que Jésus a fait, il faut le faire avec l'esprit que Jésus a, avec lequel il a travaillé. Alors Jésus sur la terre était le seul porteur de toute l'onction, parce qu'il était la plénitude de Dieu dans le corps. Donc quand Dieu était sur la terre, toute l'onction de Dieu était en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que les disciples, même quand ils ont dit, nous sommes allés, les démons nous ont obéi, les malades étaient guéris. Ils avaient reçu des impositions de main de Jésus. On dit même dans Luc que Jésus souffla sur eux. Donc Jésus avait donné une portion de ce qui était en lui. Moins 20% d'autonomie. Ils sont allés travailler avec. Mais ce qu'ils ont eu, après le travail était épuisé. Alléluia. Amen. C'était ça les symboliques. Ils ont travaillé. Et il y a eu l'épuisement. Et ce qu'ils avaient. Parce que ce qu'ils avaient a été prêté par quelqu'un. Jésus a dit ceci. Je vais vous donner un avantage. Au lieu que vous receviez des portions. Et après un moment, sont en train de se tuer. Je veux prendre toute la plénitude qui est en moi. Quand je serai là-bas, je vais les répandre maintenant pour qu'ils soient en chacun de vous. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Amen. Qui était en Jésus. Seulement en Jésus. Jésus a éclaté cela. Et il a pris la même dimension. Pour la répandre maintenant à tous ceux qui croient en lui. C'est pour ça qu'il dit. Celui-là sera avec vous. Alors que je suis avec vous. Mais lui il sera avec vous. Mais il sera aussi en vous. Donc il fera un travail avec vous. Mais il fera aussi un travail en vous. Alors il permettra ce que ce que je suis en train de vouloir accomplir par vous, soit malléable. Alléluia. Amen. L'esprit a pour objectif créer une transformation de vie. Alléluia. Amen. Je l'ai dit ici dans la semaine. Paraphrase, on passe. Dieu n'a pas donné l'esprit pour les miracles. Hein? Dieu n'a pas donné l'esprit pour les miracles. Dieu n'a pas donné l'esprit pour que les gens tombent dans les églises. Recevez-moi. Les gens tombent comme un jeu de cartes. Et puis il change aussi les positions. Il prend maintenant de cette manière. Il change comme ça. World Trade Center. Ça ce n'est pas les. Hein? Ça, c'est le niveau élémentaire. Un niveau élémentaire. L'esprit a été donné, premièrement, pour le royaume. L'objectif. L'objectif. Vous recevez. Vous deviendrez mes témoins. Dans la Jérusalem, dans la Samarie, dans Samarie, et aux extrémités. Première chose, le témoignage. En d'autres termes, le témoignage, ce n'est pas seulement aller d'abord prêcher. Le témoignage, c'est ce que vous devenez quand vous recevez. Parce que vous pouvez prêcher sans parler. L'église du Congo, Ecclesia Congo, on pense que l'esprit,
Ce sont des pasteurs qui changent de visage. Ce pasteur-là, il est loin avec une barbichette. Il te salue même pas. Et comment mon sapimoko? L'esprit m'a dit que cette semaine je vais pas saluer les gens. Moni mon santo ebisinga mposo eye na pesa mutumbote te. Ce n'est pas biblique. Et ça na Bible ya te. Tu veux pas saluer les gens? Oliko pesa banina mon. Enferme-toi, ne sors pas. Quand on anda kuna yoko bimate. Quand tu sortiras, vis avec les gens. Tango kobima, bikana bato. Non, l'esprit m'a dit. Moni mon santo ebisinga cette semaine. Mposo eye. Je vais pas parler aux femmes. Non, lo ba non solo na ba basite. Parle seulement aux hommes. Non, sur le canaba mi bali. Quand les femmes viennent. Tango bande kobasi baye babi. Quand une femme lui dit quelque chose, il parle d'abord évangéliste au roi. Tango ke a solo ni kuna bi interprète. Donc l'esprit lui a dit que cette semaine là. Moni mon santo bi poso eye. Pas ma solo ko solo la na bana basi. Il est devenu plus esprit que le Saint-Esprit. A komi mon limo ko le kata mon limo mon santo ye moko. Un bon hypocrite à l'intérieur. Il met une longue soutane blanche. Et c'est comme ça que l'un est passé à la télé. Il a dit, dites à tous ces gens-là de me ramener ce qu'il m'avait pris. Yango, moko le kaki na tandolobi, yebi sabato ala basongi selanga babor nangai, oh ba mema. Ils arrivent, ils font tomber les gens. Les gens tombent. Et quand les gens ne tombent pas, ils ne s'arrêtent pas de prier. Et regardez comment ils font tomber les gens. Les gens qui ont regardé les histoires là à l'époque là avec les autres là, je ne cite pas les noms. Les mêmes histoires. Les mêmes faits. On appelait ça les Dalévides. Dalévides et côté les mêmes histoires. Et nous nous disons que celui-là il a l'esprit. L'esprit c'est le caractère. Ce n'est pas la puissance pour faire tomber. Même le diable accomplit ses miracles. Alléluia. Amen. Vous savez pas que chez les féticheurs il y a des femmes qui ont pris des enfants. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est allée voir un féticheur. Elle a eu un enfant. Mais c'est quel miracle! Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est dans le caractère. J'ai toujours dit ceci. Lorsque vous lisez la liste de dons, dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous en comptez 9. Vous allez dans Galates 5, vous comptez les fruits de l'esprit, il y en a 9. Hein? On peut avoir des dons sans avoir les fruits. Les 9 fruits sont les correspondants de la balance des 9 dons. Si tu vois que les dons, tu ne vois pas les fruits, ces dons-là ne sont pas des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Zambé a donné l'esprit à pessi mon limo pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. On a condamné sa moculo na o eteli ni sumu. Hein? Péché de sumu. 1 Yayambo. 2 Yamiba. Justice bosembo. La justification par la foi bosembo na o eteli condamné. 3e Yamisa le jugement. Et sambiselo. Donc les jugements pour ceux qui sont hors Dieu et sans Dieu. Et sambiselo pona baeba boya. Parce qu'on dit le prince de ce monde est déjà jugé. Balobi ba kondina mokileo si ba sambisama. Ah, cette église là chez les prophètes les gens ne tombent pas. Kuna pa inambadu, trop de français, trop de doctorants. Ils sont là comme ça. Azaliana avec son expérience de la France. Ils parlent. Tout ça, on comprend pas. À côté ça na PIB na maté. Nous on aime les œuvres, les œuvres. Batwa kanga ka Yesu ba kweya ka metang ba telema ki ba kanga ki Yesu. Esika mosa so de banango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus ils sont venus, qui est Jésus? C'est moi. Et puis après il se relève.
C'est toi Jésus. Ouais. Ils l'ont amené. Avantage à Moussa Soda Yangwana. C'est comme ça que beaucoup, et Zali Bongo, depuis qu'ils sont en train de tomber dans les églises, ils tombent aussi en dehors des églises. Donc ils tombent à l'église. À quoi ils l'ingomba? Quand ils sont de l'église, t'amabimi. Ils tombent aussi. À quoi ils les sous? Mais parce que toi tu es habitué à tomber, alors tombe. Donc quoi yo? Mais ça n'a quoi ya? Au comme gardien, quoi ya na yo? Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose. Je ne dis pas de retenir les grâces quand Dieu te touche. C'est pas ce que je dis. Mais une chose qui prouve aussi la maturité, c'est l'arrêter de tomber. Toi, tu tombes toujours. Quand yo, tu tombes. À chaque fois qu'il y a une grâce, une onction, tu dois toujours tomber. Toi, tu ne peux pas t'agenouiller, adorer, monter au troisième ciel. Toi, il faut que tu tombes, tu es en extase et tu ne sais même plus ce que tu fais là. Et quand tu reviens, on te dit, tu avais vu quoi? J'ai rien vu. Pendant 2 heures, tu étais tombé. Tu es revenu sans rien. Donc Dieu ne t'a rien dit. Arrête de tomber. Écoute ce que nous disons. Comme ça, Dieu va t'édifier parce que tu ne t'édifies pas en tombant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pierres, quand ils avaient faim. On dit que Pierre avait faim. Vous savez qu'il est allé en extase parce qu'il avait faim. Vous n'avez jamais lu ça. Quand il a vu les serpents, la Bible dit Pierre avait faim. La Bible ne dit pas que Pierre était en train de jeûner. Non. Il avait faim. Vous savez, les corps est successif à ce qu'on a dans les ventres. Son corps était fatigué. Maintenant, dans cette fatigue-là, quand vous êtes un homme très spirituel, quand il est tombé parce qu'il avait faim, il est tombé de faim. Mais comme il était spirituel, Dieu a trouvé que c'était le moment où il était calme pour lui parler. Donc quand tu tombes parce que Dieu veut que tu mépris, monde, vois les choses. Quand tu te ramèneras parmi les hommes, tu regardes ton fond et dis, Dieu me dit pour toi. C'est ça, c'est tombé là qu'on cherche à l'église. Non, quand il m'avait touché, j'ai senti. Certains ont été touchés, ils ont senti. C'était pas Dieu qui est entré, c'est autre chose. Quelque chose est entré, mais c'est pas Dieu. Mortal combat de côté la bango. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Nous sommes en train de parler de l'huile. L'œuvre de l'esprit. Premièrement, c'est la justification. C'est le salut. Parce que Dieu vient pour te convaincre que ton chemin, ce n'est pas le bon. Et tel est le chemin que tu dois suivre. Jésus a donné l'esprit pour qu'il remplisse le ciel. L'esprit, ce n'est pas ton moine habitinda. Et même quand vous priez, Saint-Esprit touche comme c'était ton envoyé. Il parle à Dieu. Sans même un peu de politesse. Esprit touche. Esprit touche. C'est Dieu. Tu parles à Dieu. Hein? Mais tu lui donnes des ordres. Mauvaise compréhension des choses de Dieu. L'esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Lisez Ananias et Saphira. Acte 5. Ananias et Saphira ont eu résolu de vendre leur portion de terre. Ananias et Saphira, comme cela était en train de se faire dans l'église, les gens vendaient ce qu'ils avaient, ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, l'église, nous vous demandons les dîmes, vous vous plaignez. Ces gens-là, ils prenaient 100%. Je vous explique. Ananias et Saphira ont vendu leur terre. Ananias et Saphira, ils sont venus avec l'argent.
Ananias voulait donner certainement. Ananias, solo yanga. C'est l'homme. Certainement que l'idée était venue de lui. Excusez-moi, je n'attaque pas les femmes, mais souvent les femmes vont nous ramener comme ça. Bande comme maman bolimbisa avec vos dépenses tant que beaucoup de sarabiso à moi. Saphira lui dit, on va tout donner, c'est tout ce que nous avons. Saphira lui dit, tu as payé sa nyonso, casignonso tu as lu n'ango. Quand on a vendu, il n'était pas avec nous. Tangu bate kaki, tozaki na bisote. On va faire passer la machette au milieu. Bate kata kata na katikati. On va amener, on va dire c'est ça. Toko mema tolobi tala yango yo. Ça on va garder, on peut faire autre chose. Nous attendons que le Seigneur revienne, il revient bientôt. La tente soroya ne peut être si grande. Jésus revient bientôt dans la campagne évangéliste. Quand ils vendaient comme ça, ils étaient dans une permanence, ils achetaient des foufous, tout ça, parce que tous ils étaient convaincus que Dieu reviendrait demain. Ils arrivent. À peine il donne l'argent. Ah, j'aime cet homme. Pierre était très spirituel. Directement, Pierre lui dit, comment tu peux avoir l'audace de faire ce genre de choses? Sache une chose. Ce n'est pas à un homme que tu as menti. Tu as menti à l'esprit. Et il ajoute, si tu mens à l'esprit, tu mens à Dieu. De la même manière, les gens qui étaient à t'enterrer ta femme là sont en train de gagner. Parce que la femme était déjà tombée. Et les mêmes personnes, quand ils sont allés enterrer. Et ils reviennent pour dire, on a fini d'enterrer. Quand ils arrivent, on leur dit, prenez aussi l'autre. Alléluia. Pourquoi? Ils ont menti. À Dieu. Le Saint-Esprit. C'est Dieu. Et toi, tu lui donnes des ordres. Saint-Esprit. Même pas un s'il te plaît. Même pas une demande. S'il te plaît, très cher Saint-Esprit de Dieu, peux-tu remplir ces liens? Quand vous parlez au Saint-Esprit, avec tout le respect du monde, les civilités là, s'il vous plaît, ça va être là. Lobby, bango bakola, na civilité wana. Hein? Hein? On comprend? Donc c'est Dieu. Quand Jésus était là, Pierre ne lui donnait pas des ordres. Hein? Mais maintenant que Jésus change de forme et il revient, vous voulez qu'il commence à lui donner des ordres? Parce que c'est un allos paracletos, c'est moi-même mais autrement. Donc moi tu me respectes. Ça veut dire que je change de forme mais tu ne me respectes pas. C'est pour ça que souvent nous avons du mal à évoluer avec Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, quand Dieu te regarde, il dit, celui-là n'a pas encore compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'huile de la facilité. Ma futa na bopete. Dieu reprendra toujours son huile. Nzamba kosopatango inso ma futa moye. Avant de pouvoir opérer. Yambo na bosali. Pour toute chose que tu seras appelé à faire dans la vie. Dans ton avenir, dans ton devenir. Il y aura toujours une portion qui exige l'huile de Dieu pour que tu avances. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont des pattes qui collent dans les mains. Donc les situations qui semblent te dépasser et perdurer, c'est parce que ce sont des situations qui n'ont pas encore vécu une intervention qui exige leur changement. Dans tout ce qui est difficile et pénible, lorsque l'huile est appliquée, tout devient simple. Au moins, même moteur est comme hydraulique et comme pété. J'explique. Na limboli. Même tes adversaires attaque au bangou na boyo arrive à mettre la main des fois sur toi. Parce que tu n'es pas loin pour glisser. Parce que quand tu es loin, ça glisse. Et mafuta. Alléluia. Amen. La Bible dit, la graisse fait éclater le joug.
Alléluia. Amen. Le joug était quelque chose qu'on mettait sur un bœuf ici. On pouvait le faire en fer, on pouvait le faire en bois. C'est qui faisait l'attelage pour qu'on puisse diriger l'animal ou les animaux pour faire les champs. Alors on mettait de la graisse sous le joug pour que le joug ne puisse pas gratter ou faire mal à l'animal. Pour que dans les mouvements, pour que ça puisse enlever son pelage et à la suite le blesser, ça faisait que le joug pouvait pousser sur le cou de l'animal et l'animal n'avait aucun mal pendant qu'il travaillait. C'est comme ça qu'on dit que la graisse fait éclater le joug. C'est comme ça qu'on dit que ça permet à ce que le joug soit là, mais qu'il n'ait pas un effet négatif. Nous avons du mal à opérer avec Dieu et à sentir que les choses de Dieu pèsent. Parce que la substance qui doit nous aider à faire les choses de Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vraie chrétienté sans l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. La puissance qui te demande, qui te donnera de pouvoir dominer sur ta chair, ton corps, c'est l'huile. La substance qui fera que tu vois les choses avant que les choses ne puissent te tomber dessus, c'est l'huile. Ce qui fera que tu entendes les choses que les autres n'entendent pas, c'est l'huile. Parce que l'huile, c'est le symbolisme de l'esprit. L'esprit va t'enseigner. Quand on donne un enseignement, ça veut dire qu'on t'apprend ce que tu ne sais pas. Et il va annoncer les choses qui doivent venir. Donc dans cet enseignement, il y a non seulement des choses que tu n'as pas compris maintenant, les choses que tu n'avais pas compris, ce qui était passé. Il t'explique le passé. Il éclaire sur le présent, mais il t'ouvre aussi une pensée sur ce qui doit arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit, c'est lui qui t'enseigne. Et la Bible dit, il doit t'enseigner toutes choses. Donc dans la Bible, il t'enseigne. Dans le travail, il t'enseigne. Dans, à l'école, il t'enseigne. Dans le foyer, il t'enseigne. Dans toutes choses, il doit t'enseigner. Et c'est comme ça qu'à tort, nous pensons que l'esprit, c'est seulement quand on va à l'église. Quand on fait notre prière matinale, quand on fait notre culte le soir avant de dormir, il sera avec vous. Partout où vous êtes. Tout ce que vous faites. Même quand vous pensez qu'il n'y a personne là, lui est là. Il est là, il voit. Donc, sache que tout ce que tu fais, tu as un compagnon qui voit. Tu peux nous mentir. Tu ne mentiras pas à l'esprit. Ananias a pensé mentir. Ananias a pensé mentir. Mais à Dieu, il n'a pas mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu donner une pensée tout au long de cette semaine qui sort des sentiers battus, des réceptés. Excusez-moi. Certains, ça fait 10 ans qu'ils ont reçu. Ils en sont où? Ils en ont fait quoi? Alléluia. Amen. En d'autres termes, en soi, on a entendu des slogans. Mais en termes de réception correcte, on a aussi rien reçu. Parce que nous avons inversé l'ordre établi des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je nous demanderai en cette semaine, cette semaine qui commence déjà, donc ils allaient poser aussi et bandit que nous puissions revoir tout
notre mode d'opération, notre comportement, notre marche avec un ami qui est là depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Il est là. C'est lui qui t'enseignera tout. Nous nous plaignons parce que nous voulons aller chercher des réponses loin, alors que celui qui a les réponses est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as quelqu'un avec toi, mais tu veux aller loin pour aller demander à quelqu'un d'autre qui pourra demander à celui qui est avec toi là. C'est que lui il a voulu te donner. C'est comme ça que nous fonctionnons, enfants de Dieu. Ah, il y a un prophète à l'Ipen. On fouille l'église pendant 2 semaines. Et après, on revient à l'église. Après avoir perdu aussi certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de l'église que nous avons, c'est le temps où la Bible dit que la connaissance doit croître. Nous devons chercher chaque jour que nous puissions croître dans notre connaissance de Dieu. Nous voulons avoir la puissance de Dieu sans connaître ce Dieu qui donne la puissance. Tu veux acheter une grande voiture qui a un gros moteur, mais tu ne sais pas conduire. Et tu es en train de crier à ton voisin. V6, moi j'ai un V12. Et les voisins qui te demandent, tu sais conduire, tu dis non. Et vous deux là, qui va arriver à la destination? Alléluia. Amen. Nous voulons la puissance. La puissance. Nguya. Fireman, fireman. Fireman. Un jour tu vas te brûler toi-même, tu vas disparaître. Comme tu n'es que feu. Tu vas te brûler. Tu disparais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera. Il donnera la possibilité de ce qui était impossible. Partout où il y a des choses qui nous sont difficiles, je nous fais une demande ce matin. Nous avons un ami, un maître, que nous pouvons inviter. C'est lui qui peut rendre les choses faciles. Partout où il y a le désordre, partout les choses sont informes, il y a un maître qui peut venir s'émouvoir afin de créer ce qui était impossible. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Tokogumba mituna biso na losambo. Oh, molimo mo santo.